Alors maintenant, passons de la culture au hockey parce que la semaine dernière, notre chroniqueur Mario Robert nous a parlé de l'histoire du hockey à Montréal. Mais depuis vraiment le premier match jusqu'à peu près dans les années 50, donc cette espèce de chronologie qu'on poursuit aujourd'hui. Donc pourquoi la décennie des années 50 a tellement été importante pour le hockey à Montréal Bien, Je pense pour trois bonnes raisons. Contrairement à la semaine passée, on en avait deux. Cette semaine, c'est trois. Bon. Alors la première, c'est que les années 50 marquent le début de l'organisation la... du sport par la ville de Montréal. Donc de plus en plus on organise les équipes, etc. Oui. Ensuite de ça, bien évidemment, il y a l'arrivée de la télévision en 1952 ah, qui fait oui. en sorte que les matchs, on va les voir plutôt que seulement les entendre. Et troisièmement, parce que les, les années 50 marquent le début de la grande dynastie des Canadiens, parce que c'est à partir de cette, euh, ce moment-là où vraiment les Canadiens vont devenir l'équipe qu'on connaît, qui a remporté un, un grand nombre de coupes Stanley euh, au fil du temps. Et je pense qu'on va commencer en oui? écoutant un petit clip qui est tiré de nos archives et qui fait un peu dans les années 50 un peu un portrait de du sport amateur et du sport professionnel. On regarde ça. Le hockey sur glace, c'est le sport national canadien, un jeu rapide et enlevant. Et partout où il y a de la glace, on est sûr de trouver de jeunes hockeyistes. Le patineur de se rêve au jour où peut-être il jouera pour les Canadiens de Montréal. <laughs> J'adore les accents quand on regarde des, des extraits comme ça. Donc, commençons avec le hockey mineur. Comment il s'est intégré à Montréal? Oui, je ne sais pas si vous avez entendu oui. dans, le, dans, le, dans le clip. On parlait de hockeyistes et non pas de hockeyeur. Ouais, oh, oui, un ok. Euh, je pense qu'il faut mentionner que l'après-guerre est marquée par le baby-boom. Oui. Et euh, l'historien Paul-André Linto avait, je trouve, une belle formule pour souligner ça. Il disait Montréal est, dans les années 50, une ville pleine d'enfants. Qui envahissent ses rues, ses ruelles, ses parcs et ses écoles. Donc, je pense que ça, à la Ville, on a à cette époque-là une division des parcs qui relève des travaux publics oui. et qui va se transformer en service des parcs en 1953. Un service des parcs qui va organiser euh, et sous la direction d'un personnage qui est vraiment hors du commun, qui s'appelle Claude Robillard. Ah, et oui. on va parler dans quelques semaines. Et ce n'est pas juste un centre sportif, Claude Robillard. C'est un homme en... aussi. un homme de culture absolument incroyable. Parfait. Euh, et en 1949, euh, Robillard va informer les médias que les terrains de jeu de la Ville, ville qui ont 159 patinoires, euh, en ont 46 réservés au hockey et trois usages mixtes pour les gens. 15 ans plus tard, en 64, mm -hmm. on est rendu à 237 patinoires, dont 97 pour le hockey oh. et quatre aréna, ce qu'on n'avait pas auparavant. auparavant. Et euh, cette tendance-là dans, ce dans les parcs à cette époque-là, quand on avait une seule patinoire, évidemment, elle était consacrée aux deux activités à la fois le patinage et à la fois le hockey. Mais la tendance voulait que la Ville crée deux euh, patinoires par euh, parc, oui. pour justement qu'il y en ait une qui soit dédiée au hockey. Pareil, oui. Parce qu'il y a tellement d'enfants, il y a tellement d'équipes de hockey qui se développent à ce moment-là qu'il faut absolument faire ça. Et en, toujours en 64, oui. du 24 au 31 janvier, le maire Drapeau va proclamer la semaine du hockey mineur. Et un des points forts de cette semaine-là, ça va être euh, un, un match de deux équipes de jeunes de 12 ans. Euh, curieusement, c'est une équipe de... Notre âme de grâce, Côte-des-Neiges-Snowdon, oui. en majorité anglophone, contre une équipe Maison maisonneuve en majorité francophone. Et la rivalité, mes amis. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes-là vont jouer avant oui? le match des Canadiens, de 19h à 19h30, au forum, devant les, les 15 000 personnes qui sont rassemblées au forum. C'est quand même assez exceptionnel pour fait. des jeunes de Bien cette époque-là de se retrouver... Euh, et avant le match du Canadien, Canadiens, c'est pas une cérémonie, c'est un vrai match de hockey qui se passe à ce moment-là. Et euh, le maire Drapeau dit à ce moment-là que, durant cette semaine-là, que Montréal est vraiment le centre mondial du hockey avec ses 925 équipes et sa dizaine de milliers de jeunes joueurs. Alors en 69 Quelques années plus tard, ben là, c'est doublé parce qu'on a 158 patinoires dédiées au hockey. Oui. Donc, on en avait seulement une soixantaine oui. dans les années 40. En 20 ans, ça a vraiment doublé. Puis, avec les quatre arénas, évidemment, qu'on retrouve à cette époque-là. Mais justement, parlons-en des arénas qui ont maintenant des noms très connus de gens du hockey. Oui. Mais comment ils ont été construits? Bien, curieusement, en 1949, il y a un groupe de citoyens et de marchands du quartier Rosemont qui lance une campagne pour avoir un arena dans l'est de la ville. Parce qu'ils se demandent, et je je cite, c'est dans les journaux. Comment se fait-il qu'on soit encore dans la métropole du pays, au stade des patinoires à ciel ouvert qui ne sont accessibles que quelques semaines par année? Mm -hmm. Parce qu'on n'a pas d'aréna à Montréal en 1949. Hey, vrai, hein? Alors, quand les équipes veulent jouer dans un aréna, oui. ils doivent soit aller à Ville-Saint-Laurent, au Collège Saint-Laurent, qui a un aréna depuis 1930, ou à l'éditorium de Verdun. Qui a un aréna oui. depuis 1940 et qui fête cette année son 75e anniversaire. Donc, toutes les équipes de l'Est n'ont pas le choix. Et les hivers, bon, on a des hivers froids comme celui qu'on a actuellement, oh, oui. mais, mais souvent, le dégel, à partir de février, des fois Bien mars, sûr. on ne peut plus utiliser ces, ces patinoires extérieures. C'est salon de assez courte, là. C'est ça. Et c'est surtout à partir de 1960 que la Ville va inaugurer ses quatre premières arénas. Alors, il y aura Père Marquette dans oui. Rosemont, Saint-Charles dans Pointe-Saint-Charles, mm -hmm. Villeray, euh, qui est aujourd'hui centre sportif Jean Rougeau, et Maurice Richard. D'ailleurs, l'arénaire Maurice Richard, qu'on voit en construction et après sa, son inauguration. Euh, en 67, il y a un grand tournoi. La Ville fait un grand tournoi du service des parcs et qui euh, regroupe plus de 100 équipes. 92 en 10 jours de compétition, commandité par le journal de Montréal, le journal Montréal-Matin et la station CJMS. Et c'est plus de 50 000 spectateurs qui vont se présenter là, dont moi. Et j'ai même un souvenir, regardez. Et il était sur place, mesdames et messieurs. Ça, je vais le, le montrer à l'écran. Et oui, puis de l'autre côté, coupe Montréal-Matin-CJMS. Vous tournez de l'autre côté. Oui, je vais juste attendre qu'on la montre. Et donc, vous, vous étiez là pour ce match-là. Bien, pour le tournoi. Je suis allé avec mon père à cette époque-là et j'ai retrouvé ça dans les effets de mon fils dernièrement. Là. Mais ça, ça fait juste me dire, là, j en vous écoutant, là, je comprends quelque chose, que vraiment le hockey... Si on est fou du hockey, c'est à cause de la génération des baby boomers parce oui. qu'eux ils sont nés avec ça. Oui, on... C'est eux qui ont amené ce vent, cette, cette folie du hockey. Absolument, absolument. Puis c'est évidemment le fait que Maurice Richard, le premier joueur canadien-français qui est d'importance, qui est fait. un grand joueur. Oui. Et évidemment, ça a, ça a aidé les jeunes à s'identifier à ce, ce personnage-là. Et puis évidemment, ça aide quand une équipe, comme les Canadiens de Montréal, gagne des coupes Stanley Bien par sûr. des coupes Stanley oui. dans les années 50, 60. Justement, parce que là, le canadien a vraiment été associé avec cette folie du hockey parce qu'il a gagné sans arrêt. Là. Ah oui, absolument. C'est vraiment la, la décennie des Canadiens, les trois décennies, 50, 60, 70. Écoutez, euh, il y a euh, les cinq conquêtes consécutives de la Coupe cette année de 56 à 60, oui. la saison miraculeuse de 1971, euh, la, la grande équipe de 76 77 Seulement huit défaites dans la, toute la saison, c'est assez exceptionnel. Oui, on ne voit plus ça aujourd'hui. Non, c'est ça, <laughs> il, il, il se passe plein d'événements, les meules de Maurice Richard. Oui. Et on pourrait en parler tellement longtemps de l'histoire ah. des Canadiens de cette ben, époque -là. en tout cas, on a un maire actuellement qui voudrait certainement qu'on gagne une Coupe cette année. Et puis vous savez qu'il y a toujours notre exposition à l'Hôtel de Ville et durant vrai? la nuit blanche, oui? euh, l'exposition va être ouverte jusqu'à 3 heures du matin et les gens vont pouvoir jouer au hockey bottine à l'extérieur de l'Hôtel de Ville. Bon, alors rendez-vous, rendons-nous à l'Hôtel euh, de Ville pour la nuit blanche. Merci beaucoup d'aller nous en parler. Merci.